PVP qui s'est fait cracher dessus parce qu'il avait gardé son champ de base. Alors lui, le mec, il est arrivé. Ah, tu sais, il serait arrivé. Certains m'ont fait des critiques, parce que je comprends. Il... Mais les mecs arrivent à chaque fois poliment, dit PP, fais attention, machin. Là, je prends. Voilà, moi ça. Mais le mec, il arrive. Putain, tu me donnes de l'urticaire et tout. Je dis, oh putain, alors toi, espèce de sale, sale petite merde. Sale petite merde, tu vois. Mais là, le mec, il arrive. Ouais, machin, machin. Ouais, connard. Va te faire foutre, tu sais. Va traîner sur la chaîne de Mondus et va leur parler de leur tableur Excel. Mais m'emmerde pas moi, tu vois. J'ai rien fait, putain. Ah non, là, le mec, il vient, il arrive. Ouais, Pépé, t'es une grosse merde. Ouais, mais tu peux le dire poliment, tu vois. T'es pas besoin de... Tu vois, faut le respect, c'est Pépé, le respect, tu vois. Avec tout le respect que je te dois. Tu es un étron. Mais le pire, je dirais bah ouais. tu as raison. Je suis arrivé à un stade où à un moment, tu sais, ça me fait plus rien, tu vois. Je le vis très bien. Hein. Ici, et l'empereur, il peut pas mourir. Bah non, bah il a quel âge l'empereur? Il était Ludwig Ier. 5-5-4, c'était mon pays. Oh putain, c'est un bon en plus. Putain, c'est un 5-5-2 son héritier. Putain, mais depuis que la vipère est partie, Marie-Thérèse, c'est fini, hein. Le Prussien à Vienne, c'est beau quand même. Si t'es prêt à enlever tes corsaires de Constantinople, on pourrait s'arranger pour t'aider ton marchand gratuit. Sans aucun souci. Philosophie. Ah, Karal commence à faire des blagues. Le sel s'estompe, Karal. Globalement, le seul qui s'est pas fait sodomiser sur cette game encore, c'est Owind. Owind. Voilà. Mais il est parce anglais, oui. Parce qu'il est caché sur une île. Sinon, je crois que tout le monde, à un moment ou à un autre, pris un coup de... Moi, j'ai plus de provinces en dehors de mon île que dedans, maintenant, mais bon. Oh. Alors, tu es mort, Louis XIV. Louis XIV est mort. Tu sais, Louis XIV, son règne, ça a été rien, a perdu 3 provinces. S'est fait entuber en... S'est fait mettre en position la terre de sécurité. En plus, c'est... Surtout qu'en plus, c'est même pas Louis XIV, c'est Aymeric Ier qui est devenu roi absolu. Ah non, pour l'instant, c'est le conseil de régence. Eh, l'Autrichien, vous voulez pas le finir, là? Depuis combien de temps vous êtes en guerre? 2 secondes. Oui, tu peux expliquer pourquoi il y a toujours 63 navires devant Novgorod? C'est ça qui s'énerve ici. Toi, t'as un cerveau, genre il est ralenti, tu sais. Je te jure, le pape. Mais ça fait un moment qu'ils sont là, mais pourquoi tu me suces tout le temps mon commerce? Tu t'en fous vu que je te donne ce que je prends? Non, tu me donnes pas assez. Je te donne et je prends 15, pile. Quoi? Pourquoi je prends 19? Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai amélioré mes navires. Je prends 15, je te donne 15, enfin... Oh mon dieu, le pape va manger ce qui reste de la Suisse? Ah mais c'est déjà son vassal! Ah putain, d'accord! Bon bah Karal, il va falloir commencer à bouffer dans l'Empire là, hein, va falloir... Je suis en conseil de régence. Ah merde. Ah, tant mieux. Putain, j'en ai eu aucun, moi, depuis le début. J'en ai eu un, moi. C'est mon premier, évidemment, au moment où ce connard de pape met la Lorraine en vassal, il est sérieux. Ah, la Lorraine en vassal? La Lorraine en vassal. Attends, la vassal. Je peux mettre la Bourgogne aussi, mais bon, faut pas déconner. Ah mais oui. Oh la Bourgogne, ça serait tellement fat. Ce troll, quoi. Monopoly commercial. Oh, 6000. Putain, t'es pas malheureux. L'empereur. Dis-moi combien tu gagnes au Wind que je me mette en PLS sous mon lit. 300 et quelques. 330. Putain, 330. Je suis monté à 190. Je suis content. Malgré tes merdes de pirates. Ils m'emmerdent bien. J'aimerais bien les envoyer chez le pape, mais je peux pas. Attends, non, y'a. Ah non, c'est la France. 80 navires français. Si, c'est la France. Ah oui, 6 ma bite à Aura. C'est le nom de la flotte. Ah, il est rageux. Il est rageux. Il est tellement rageux. En fait, Karel est pas habitué à se faire sodomiser, en fait, c'est pour ça. C'est pas mal, hein, si ma bite. Ah, génial. GG, Karel, là, tu fais preuve d'imagination, ça me plaît. L'Autriche est presque explosé. Let's go. Oh, putain. Ah, mec. Quel... Oh, wow. Oh, le Prussien et le Pape ont une frontière pour la première fois. Merci, les gars, pour la province de Sopron, hein. J'adore, hein. Linz, je vais l'apprendre, c'est dans l'état de Vienne. Oh, je te laisse. Moi, je prends plus rien sur l'Autrichien. Enfin, je vais prendre en Alsace. Regarde la vipère, ton ancien pays. Ah, tu parles des 3 provinces autour de Vienne. Moi, je suis un peu en Asie, hein. Ouais, là, c'est clair, Owen, il est... C'est vrai que t'es un peu en Asie, ça. Un peu nazi, ouais. Mon machin, il est en Californie en train de chercher les cités d'or, quoi. Putain, je peux enfin relever une armée digne de ce nom maintenant que je gagne de l'argent, quoi. Je vois ça, ton pays, c'est bizarre. J'ai une limite de 268 000 hommes, mais à cause de Wind, je pouvais pas me payer tout ça. Moi, je m'en fous, j'ai renommé toutes les provinces à la frontière de... Ah, il est encore rageux. Taura, c'est son kiki. Connard. Voilà. Ah non, mais il l'a vraiment mauvaise, hein. Je sais pas ce qui s'est passé à ce point-là, mais... Sus FDP. Au moins, souvent, il était classe avec Batman, Zolo et Nemour. Non, mais attends, quoi. Le mec qui va jusqu'à vassaliser la Lorraine, je suis désolé. Bah oui. Déclaration de guerre, ça. C'est ouais, juste mais... que c'est les couilles, bah, quoi, écoute. Hein. Vas-y, déclare la guerre, mon gars. Mais moi, ça m'étonne que tu l'aies pas fait avant. Oh, la Banque Nationale paye les dividendes. Viens voir papa. Je suis pas au niveau de Win, forcément.
Moi, il me donne 6000 à chaque fois. Enculé, moi, il me donne 600. Non, mais je sais pas. Comment ça se fait que j'ai pas de score de guerre? What the fuck? Il faut que t'ailles dans les Philippines et à Taïwan. Je vis Nayaga à Taïwan. Mais je suis à 30 alors que j'ai pris toutes ces provinces. Ah, mais il a un fort. Ah, mais sa capitale, c'est ça. Mais quoi? Mais sa capitale, elle est sur Taïwan. Mais what the fuck? Excellent. Mais ça veut dire que c'est. Quoi? Les cris de Win. J'ai les cris de Win perçant. Ah, oui, sa capitale, elle est à Sakam. C'est un sac à merde. Sinon j'arrête les subsides, gros. Je suis mort, regarde. T'es à la botte d'Owin comme t'étais à la botte du portugais. Mais Owin, c'est un gros fils de pute. C'est un chien. T'es dépendant du commerce, sérieux. What the fuck? What the fuck? Tout va à Novgorod. Oh, nationalisme, oui. Le fric que je fais, je suis arrivé à 200 là, ça y est. J'étais trop occupé à compter l'argent que je me faisais en mer blanche. Je te pisse dessus, oui, mais tu n'as pas idée. Caral, tu lagues. Je m'en fous, j'en ai 16. Ah bah voilà, vois ça. Pas, tu vois. Ah bah, c'est ça d'avoir un PC personnalisé. Alors, t'es en train de rechercher les cités dehors. Du coup, l'Angleterre, allons-y, gaiement. Attends. Je te ramène celui qui est en Savoie actuellement. Bah, il veut pas faire la guerre tout seul, si. Bah, non, mais justement, je te ramène ça, est-ce que t'en veux plus? Celui qui est en Savoie, bah t'en ramènes un deuxième. Bon, tu l'enlèves ma pause, là. C'est parti. 4, je t'ai envoyé quelque chose. Ah, du chariot d'or. C'était bon, 4, on y va. En avant, les gars. Je pense. On arrive. Ok, c'est parti. T'occupes l'Autriche. Ça va, c'est tranquille, hein, comme guerre. Bon, allez s'occuper d'apprendre Right. Ah, ils ont raison, hein. Vu que le français est déjà presque bloqué pour pénétrer dans l'Empire. Non, mais de toute façon, il est bloqué pendant quelques années, il est en conseil de régence. C'est magique, attends, le français, attends. Ça fait drôle d'avoir un pape qui est agressif dans l'Empire à la place d'un français, t'sais. Ouais. Caral, tu penses à te convertir à la seule et vraie foi, l'islam? Le protestantisme. L'islam. Le protestantisme. Ah. Non, l'islam, rejoins-nous, Caral, tu verras. Jamais voilà, je ferai ça dans les années 2010-2016 à peu près. Wow. Oh bon, ça avait commencé depuis bien avant, hein. Qu'est-ce que tu veux, là? La pollution, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Va falloir que je m'entraîne sacrément avec le Mogol, d'ailleurs. Surtout avec la nouvelle mise à jour. Ouais, j'en ai marre qu'ils changent tout tous les deux mois, moi. Les armées françaises, je les vois. Ah non, en fait, c'est parce que les armées du pape, qu'est-ce qu'il fout là, le pape? Bah, comme je suis en guerre contre Ravensbourg, il y a Bourgogne qui a rejoint, du coup. Oh la vache. L'anglais? Viens, non, on je vais pas déclare le prendre, la guerre à la Bourgogne. Hein. Non. Caralé, je suis panique. Désolé. Caralé, en panique. Le mec, le vassal, Lorraine qui est le vassal, je vais déclarer la guerre à la Bourgogne vite fait. Vas-y. Non mais j'assiège déjà le fort, donc en fait ça sert à rien que tu lui déclares la guerre, si je veux la prendre, je la prendrai. Ah c'est beau Caral, oh là là, t'es si pas bon jusque là. Caral. D'ailleurs l'Autriche, on peut la sortir de la guerre déjà. Alors possible qu'on ait un souci 4, parce qu'elle est encore en guerre contre Cologne, et Cologne, et je contrôle pas Bad. Bad boy, ouais. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do, come from you? Ah chouant, tu connais tes classiques, j'aime. J'ai 92% sur l'Autriche. Ah oui, excellent, j'ai trouvé une mine d'or, une province coloniale africaine. Putain, j'ai acheté des fruits pour 500 pièces d'or, c'est les fruits les plus chers du monde. Hein. Des frites? L'anglais? Attends. Non, mais t'as lu le message ou pas? Oui! C'est où ça? Comment ça se fait que t'as pas vu le pape qui arrivait? Il est passé par Cologne. Oh, Coffee Boom, mille ducats. Oh putain. Oh, boom. Ça va quoi? Oh le bâtard! Oh, Nico maintenant! L'anglais a mis le pied en Inde. Oh, il a le petit comptoir, excellent. Oh, Tropical Wood, plus 35%. Putain, mais l'autre, il a tous les trucs, quoi. Je crois que j'ai café, esclave. Moi, je... j'ai cacao, top tabac, slave, cuivre, naval supply, poisson, vêtements... J'ai les fourrures. Parce que je troll et je prends la Bourgogne, c'est ça le truc. Ah, ça serait sympa, rien que pour faire chez Caral, pour lui montrer ce que c'est les résultats des coups de bite. À ce niveau-là, je crois que le pape, il a fait fort, hein, au niveau coup de bite. L'anglais, maintenant. Genre, maintenant. Avant. Mais pourquoi, putain, j'avais pas l'opinion. Putain oh. 4 fichiers empereur de cet empire. Oh, ah, voilà. Chien, si tu attaques. Oui, l'empereur. GG, 4. Et là, si tu peux attaquer l'empire, tu peux attaquer moi. Est-ce que tous mes alliés? Ouais, moi, je m'en fous, j'attaque. J'ai surtout que Owin, lui, il peut se permettre d'attaquer, c'est pas lui qui se fera souiller, puisque vous pouvez c'est pas clair. Débarquer chez lui. Et tu veux pas... Putain, Caral, toi. Bon, ben... Maintenant, je peux pas. Mais tu t'avais je juste à me dire... maintenant. Ouais, tu me dis maintenant, je... oui. Mais je te l'avais dit, hein, je te l'ai dit. Tu m'avais pas fois, dit là. Qu'il allait... Ouais. Mais si. Tu m'as juste dit maintenant. Mais oui, maintenant. Maintenant, oui. Les gars. Non, là, faut quand même admettre que sur ce coup-là, c'est quand même Owin qui a fait... qui a pas suivi Caral. Mais après, est-ce que ce n'est pas un choix stratégique? Quoi, il a pas suivi. Le mec me dit maintenant, mais maintenant pour. Ça fait un bout de temps qu'il te demande quand même. Je garantirai oui, moi l'indépendance de la. Ah, je suis bon. Bon, alors, on a un nouvel empereur. 4 Redfish et empereur.
c'est beau. Avoir des sodomites comme empereur, je suis pas très fan. Oui. On connaît tous les petits penchants des Hohenzollern à ce niveau-là. Bon. Tu sais, Kat, si tu veux rester empereur, moi je te conseille de vassaliser certains des grands électeurs, comme ça, dès que tu les as conservés, tu les as bien entretenus, ils votent toujours pour toi, ils iront jamais voter pour quelqu'un d'autre. Non mais c'est le cas avec c'est la Bohème, la Saxe, et comme moi je vote pour lui, il y a toujours 3 votes. Non. Dis-moi, je crois, tu serais prêt à partir en guerre en Inde prochainement? Je suis, pourquoi pas. Un coup en Chine, un coup en Inde, un coup dans ta maman, voilà quoi. Et ces affreux corsaires qui sont toujours chez moi. Ils en ont des hommes, ces singes là. Putain, le gingembre et tout, il y en a beaucoup dans les bols de riz. Mon empereur, un cadeau de la papauté. Oh putain, ça me rappelle quand tu léchais les couilles de scorpion. Des chiens qui odent qui arrivent en plus. Les grands grenadiers qui vont voir le pape, tu sais. Oh oui, ça me changera. Mais qui êtes-vous, monsieur? Oh putain, t'as une espèce d'armée, le pape. Oh putain, ça... Je suis à ma limite, là. Moi, j'ai dépassé ma limite. Je suis sur les 300k, plus mes minions, je monte à 360. C'était chouant, ça. Non, c'est lui. Ah, révolte, je l'attendais, comme prévu. Oh putain, 40 000, hop là. Non, t'engages pas dessus, le con. Genre, il passe juste quand ça pop. Allez, dépêche-toi. Oh, j'ai pas bien que je vais la perdre. Oh putain, allez. Allez. La gueule, chouant. C'est trop bon. J'ai trop obligé de ne plus être une monarchie absolue parce que sinon je vais avoir l'aspiration de la liberté. C'est chier cette histoire, il y avait pas ça avant. Tu pourrais avoir des révolutionnaires, chouan. Ça pourrait être intéressant. Oui, c'est ça. Mais c'est pas avant 1750, donc ça sert à rien. Une Russie révolutionnaire, t'imagines? Les tsars seraient défaits avant 1917. Alors, on attaque. Full attaque. Je vais recte ce bâtard. Et en guerre contre qui? Contre mes rebelles. Voilà. Ah, contre... C'est les séparatistes perses qui ont popé. 60 000. Maintenant, je suis tranquille pendant un bout de temps. Oh putain, mais Youngstar me flatte comme ça! Non, mais mais Chouan, voyons! Sans toi, ma vie ne vaut plus rien! Il est à moi, Chouan, tu sais, c'est ma pute! Ça y est, il va y avoir une guerre pour la succession du cul de Chouan! Il m'appartient entièrement, tu vois! Corps et âme! Ah, j'ai gagné un claim sur toi, Pépé. Quoi? Gloire sur Ackerman. Gloire à l'Empire russe. Ouais, ça, bon, c'est allez, ramène-toi le Clemsen, là, dépêche-toi. Est-ce que ma Géorgie continue de poser des claims sur toi, d'ailleurs? Oui. Ah oui, nice. Oh oui. Voilà, hop, ça c'est bon. Premier désagrément mineur de régler. Et ça, le 4. Les rebelles. Oh, les rebelles. Dégoûtant. Oh, pour une fois, j'ai eu un sentiment de puissance. Pardon. Voilà, tiens, voilà, retourne chez ta mère. Voilà, tu la suceras pour moi. Oh, le temps que... Oh, pardon, veuillez m'excuser, j'avais oublié que j'étais avec des enfants. Surtout pour ton âme sensible. Oh, bah, il faut la préserver, hein. Chouan l'a déjà bien corrompu. Entre ses rots et ses blagues. Oh, mais non, mais c'est... Il nous fait partager sa digestion des ganélonies. C'est épouvantable, je dois dire. C'est dégueulasse, hein. Oh là là, ça se déteste au laïc et est en train d'envoyer des petits stacks de merde de 1000. Les gars, j'ai plus qu'à 9 d'inflation. 9, putain. Ah, séparatiste afghan. Oh là là, putain, mais le fort qui a 77% et qui veut pas tomber. 91%, il veut pas tomber. On va te faire enculer. Bon, c'est pas grave, la bataille, finalement, je la gagne là-bas. Ah, les premières flottes d'or. Oh oui, envoie des pirates dans le merdier, là, pour les capturer. Oh non, j'en ai trop, ça monte ton inflation, en plus, cette merde. Non, eh wow, Laï, tu m'as fait suffisamment chier, maintenant c'est à ton tour de passer à la casserole. Goûte au restant de la colère de Dieu. Au restant de la colère de Yinstar. Allah a décidé que cette guerre était juste, je suivrai donc sa décision jusqu'au bout. 7 mines d'or, l'auto. Ouais, mais certaines sont pas encore développées, je suis très short en points, en fait. Et t'es juste à côté de la 8ème, au Malois. Oh, mais d'accord, y a la Yutaya qui est là. D'accord, t'es loin de chez toi, mon gars. T'as quoi, t'as 30 vaisseaux lourds ou t'as même ferraillé tes vaisseaux lourds vu que t'as pas de concurrence? Non, j'en ai toujours. Ils sont en Mossball depuis 150 ans? Non, j'ai pas besoin de les mettre en Mossball. Même pas, putain. Ah oui, c'est vrai, enculé. Mais c'est un sale riche, lui. Non, mais putain, mais c'est clair, quoi. Déjà, là, je touche les 200, je me sens riche comme Crésus, tu sais. Bah, en fait, là, avec toute mon armée, mes forts, tout à fond, je me fais plus 100, donc. Putain, plus 100, quoi. C'est juste dégueulasse. C'est infect, quoi. Mais feed-moi au lieu de me voler mon argent, espèce d'enculé. Mais il te les rétrocède. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça. Je vais annuler, d'ailleurs. Il me rétrocède que la moitié de ce qu'il me vole, genre. Quoi? Je te rétrocède même plus, je te donne 20 alors que je te prends 16, non, prends, 17. Tu prends 15, tu me donnes 15 et tu prends quasiment 17. Je te donnais 30 pour compenser. Mais tu es énorme, tu es un russe, ville russe. Tu veux que je te laisse isoler? Moi, je veux bien aller, j'ai changé de camp, hein, je vais rejoindre la Prusse et... Je suis pas sûr qu'on veuille de toi. Parce que la Prusse, ouais. Je suis pas sûr qu'on veuille de toi, hein, dans cette affaire, hein. Ah, allez tous vous faire foutre.
une c'est bonne bon, vous avez compris qui est le patron là, ou est-ce qu'il vous faut encore ouais, une correction? Ouais, on a compris, Younstar, t'inquiète pas. Non, mais toi, je ne te parle pas l'anglais. Younstar fait une guerre victorieuse contre Jolof et Massina. Ah, t'es parti tout seul? Bah oui, je suis parti tout seul, j'ai pas besoin de toi. Hein. Il commence à se sentir pousser des ailes, Younstar, là. Ah, bah écoute, fais ton petit accent bougnoul, Younstar, là, pour rajouter une petite couche. Que j'aille le péter la gueule. Ah, c'est un culé là! Eh wow! Charité pour les pauvres, oui, viens voir papa! Oh putain, non, maintenant je dois mettre le parlement partout. Bon bah, quand tu veux, Kat. Je suis devenu bon! Ouais, bon, mais c'est de parler, je crois. Ouais! Waouh! Ouais, j'ai 44 000 hommes en retrait. Mêlée à Linz et Trévise, parce que s'ils décident de passer par le nord, j'ai commencé à construire un phare au Tyrol, mais ça va mettre encore un an à se faire. Donc, c'est bon, attaque Kat, hein, c'est parti, hein, enlève la pause. Ouais, moi je reste sur des provinces défensives, hein, de toute façon. Déclaration de guerre, je vais mettre comme objectif reconquête Ratibor, je vais mettre l'anglais comme belligérant, puis la France aussi. Il y a le Brandebourg, il faudrait aller éliminer. Ah putain, bah. Pourquoi il y a l'IA? Non, il y a l'IA. Il y a la Russie. Ah putain. Ouais, ouais, au pire, on pousse un peu en Russie et t'envoies 60 000 hommes chez le Brandebourg et j'en envoie 40 000 aussi. Alors, ce qu'il pourrait décider de faire, c'est passer par le Brandebourg, donc faut faire attention. Ouais, faire attention, ouais. Bon, vas-y, Kat, enlève la pause et on attaque là, c'est parti. Accepté! Faut juste aller éliminer. Le Brandebourg, ouais. Je t'envoie 40 000 hommes au nord. Ça trouve l'anglais au nord aussi, hein, donc va falloir faire attention. Question, si on voit que le français monte, on va. Est-ce que je commence à siéger ou alors. Pousse, hein, pousse sur les montagnes, hein, si tu vois. Kat, envoie pas toute ton armée chez le Brandebourg, hein. Mais j'envoie 60 000 hommes, puis j'envoie 30 000 hommes. Parfait, faut lui direct. Ah, 40 000 hommes. Ouais, il monte au nord, je pense, regarde. Ouais, le français, j'ai l'impression qu'il veut passer par le Brandebourg. Ouais, bah j'envoie mes renforts ottomans qui sont chez toi au nord, ok? Ok. En plus, j'ai le support de la Bohème, 34 000 hommes. Moi, j'ai ma Géorgie à 30 000 qui va commencer. Moi, j'ai le Suisse, la Lorraine, ça fait 22, la Croatie 30 en tout. Putain, si le français te laisse les provinces de montagne des Alpes. C'est gagné, c'est gratuit. Moi j'envoie 90 000 hommes au Brandebourg et le reste je vais pousser dans le sud, je vais essayer d'ouvrir le fort niveau 6 de Bratislava et compagnie. Et mes mignons vont commencer à foutre la merde dans les arrières. Si j'arrive à prendre Koniva, Sus et Connard, ça fait dommage que t'avais pas préparé déjà une armée au Brandebourg. Parce que là il a pas toute son moral, ouais, t'aurais déjà pu attaquer à Potsdam et éventuellement Stack Wave pour lui faire suffisamment mal pour pas le revoir avant un bail. Je crois que je vais engager la flotte de Karail.